Vous êtes en direct. Bonjour, votre fête nationale. Ben oui, bonne fête nationale québécoise. Vous êtes de où aujourd'hui? Vous êtes du Bloc québécois? On est du Bloc québécois. On est parti du parc Pélican, puis on est allé au parc Rosemont. Oui. La destination, c'est ici au parc... Mont-Sud. Mont-Sud, pour jouer à la pétanque puis voir les gens. Merci. Avec plaisir. Bonne saison. Rosemont, la petite patrie. Salut, salut! Salut! On lâche pas! Eh hey, ben oui, t'es sur mon Facebook, je le sais! Nous sommes le peuple! Merci de me suivre, Isabelle Ginochaud. Et bonne Saint-Jean! Bonne Saint-Jean! Alors, c'est déjà tout pour notre Saint-Jean-Baptiste. Merci d'avoir été témoin de ces moments historiques. J'espère que Pierre Falardeau sera heureux au ciel. Oui! On est en direct. Alors, pour toi, Pierre Falardeau, c'était? C'est le meilleur. C'est un homme qui était saint. Mm-hmm. Il parlait comme tout le monde, pour bien se faire comprendre. Puis, je le rencontrais souvent le matin, puis il nous parlait n'importe quoi. On riait, puis on avait du fun. C'est quelqu'un qui était très saint. Et vous, votre nom, c'est? Moi, c'est Steve. Steve, pour toi, la Saint-Jean-Baptiste, ça représente quoi aujourd'hui en cette COVID-19? La fête québécoise. Oui, la fête nationale. Tous ceux-là qui aiment vivre au Québec, tous ceux-là qui aiment le Québec, mm-hmm. qui sont bien ici, sont chez eux ici. Alors, c'est pour un peu me situer, même si je vous connais, expliquez aux gens à la maison, parce que c'est international, dites-moi un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je sais que vous avez des pages, je sais que vous avez des causes. Être patriotiste, pour vous, là, c'est une mission 12 mois par année? Pour moi, oui. Oui. Mais c'est quand même... On travaille tout le temps. Oui, 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 bien sûr. On défend, comme ça, j'ai défendu la loi 21. On défend la laïcité, c'est ça, la laïcité. Bien sûr. Puis on défend aussi la liberté d'expression. Et j'ai vu dans votre marche qu'il y avait des gens qui avaient des masques. Vous ne le portez pas? Oui, bien moi, j'étais en arrière, je n'avais pas appelé de masque. C'est pour ça que je me tiens loin des gens. Et vous êtes de quel endroit? Moi, j'habite ici, mais j'habite dans Montréal. Oui. Mais je viens du Lac-Saint-Jean. Bon, mais on sait. Originaire de